À niveau 3, ah bah du coup il est déjà à niveau 3, donc c'est cool, il est monté, donc ça me rapporte des trucs. Oh, tu t'y attendais pas ça, hein. Coup de clé à molette dans ta gueule. Bon, faut jamais aller au corps à corps contre des... Ok, c'est bon, là on s'en sort bien. Alerte, notre point de contrôle est envahi. Et donc là on va construire une tourelle, je pense ça me paraît être le bon moment. Ah mince, ils ont abîmé mon entrée. Donc je vais aller la réparer. Hop. Ah merde. Non. Oh la connerie. Oh le con. Oh non. Foiré. Non! Tire sur lui! Oh, fais chier! Bon, ça m'a saoulé. Allez, on va prendre le soigneur et on va essayer de trouver un gros sac pour aller l'aider. Ouais. Je vais rechoisir si c'était pas bon. Et donc après, on fera le spy, qui est la deuxième classe dont je me sers le moins. Ok, bon, ils ont tout démonté. C'est génial. Ça sera pas tenu longtemps. Bon, malheureusement, il y a une arme que j'aurais bien aimé avoir. En fait, c'est un... Comment dire? C'est un truc pour contrôler les tourelles. Donc ça, c'est assez sympa, vu que... sinon, elles sont automatiques. Bon, je veux dire, il y a plus de gameplay. Alors, on va pas soigner un spy. On va plutôt soigner un bourrin. J'en ai entendu un. Toi, t'es louche, toi, non? Pas louche, hein? Non, t'es pas louche. Ok. J'ai rien dit. Bon, sachant qu'on peut pas se donner de la vie à nous-mêmes, hein. Enfin, se donner de la vie, tout simplement. T'es sérieux, là? C'est quoi, ce gars? Ah, c'est un débris. Vaut mieux s'armer de la ça pendant qu'on n'a pas de... Alerte! Notre point de contrôle est envahi. Non, purée, je me suis trompé d'arme. Je voulais prendre le... Bon, c'est pas grave. Je voulais prendre le... L'espèce de scie, là. Pour lui découper la gueule. Mais bon, pas grave. Bon, la classe que j'aime le mieux, c'est quand même le sniper. Parce que, bon, il a pas beaucoup de vie. Il est moyennement rapide. Enfin, il est moyen partout, mais vous pouvez faire des trucs de loin. Donc, c'est assez sympa, quand même. T'as un sniper, j'ai envie de dire. Allez. Ou alors, on va prendre un lui, voilà. Vas-y, je te soigne, on repart au combat, mec. C'est bon, je te soigne. Par contre, faut les suivre, hein, parce que les mecs... Ok, d'accord. Merci, bonhomme. Je vais le soigner, non, il est déjà full. Bute-le. Oh oh. Salut à tous, c'est Anonymat et on se retrouve donc pour un free-to-play sur un jeu que j'aurais dû vous faire il y a longtemps, mais maintes et maintes fois j'ai été rejeté par certains bugs, les réseaux saturés de Steam récemment, et tout simplement le temps, hein, parce qu'à ce moment je suis assez chargé en devoir, mais bon, j'ai eu le temps de vous le faire un mardi soir, le même jour que l'autre vidéo qui est sortie avant normalement. Si j'ai pas fait de bêtises, à l'upload. Donc on va faire du multi. Je vais essayer de voir le coopération. Donc c'est un free-to-play, donc bien sûr. C'est Team Fortress 2. Donc vous pouvez aller voir sur Steam, il est gratuit. Disponible sur PC et Mac. Alors je l'ai fait sur PC. D'ailleurs vous entendez mon ventilateur du PC qui fait tellement de bruit. Pourquoi je l'ai fait sur PC? Pour la simple et bonne raison que... C'est quoi ça? Bon, c'est un mail. Pour la simple et bonne raison que, en fait, je suis en train d'exporter une vidéo sur le Mac et que ça me prend toute ma mémoire vive. Alors que là, j'en ai plus sur le PC, bizarrement. Donc, bon, l'entraînement, je vous l'avais fait dans une des vidéos. Je ne vais pas vous en faire. Alors, oui, on va essayer. Donc, quoi que non, attendez.
Du moins que j'essaye pas. Non, trop tard. Ok, je me suis fait baiser. On va faire du point de contrôle parce que c'est ce que je préfère. On va lancer une recherche. Donc, pour ceux qui connaissent pas, mais bon, ça c'est connu quand même maintenant. C'est un jeu, donc FPS, plutôt fun, pas très très réaliste, avec disposant de 9 classes qui sont que je vous montrerai un petit peu après, vite fait. 9 classes différentes, oui. Donc, bon, il y a les essentiels, machin et tout. Il y a possibilité de gagner des armes, mais bon, c'est assez long quand même. Des fois vous trouvez des armes à votre mort, ça vous l'affiche, que vous pouvez aller ensuite aller dans votre inventaire chercher. Je vais vous montrer l'inventaire, tout ça. Vous pouvez aller acheter des armes sur le workshop, ou en tout cas les louer, mais voilà. Donc pendant que y a le multijoueur la recherche. Bon, en général, le seul truc que je reproche à ce jeu, c'est ses chargements et ses recherches de jeu, parce que c'est un peu abusé quand même. Bon, là, normalement, j'en ai 3 compatibles et 77 vides. Oui, bon, ça devrait jouer. Je vais quand même vous faire une coupure. Et on va se retrouver juste après. Donc, à tout de suite. Ouais, donc, on se retrouve toujours dans le Team Fortress. J'ai retrouvé le truc. Alors, juste avant de commencer, je vais vous dire un truc. Ma voix a sûrement changé, d'ailleurs. Je tourne, donc, à partir de là, à partir de la coupure. Une semaine et demie après, parce que j'ai eu trop de trucs à faire entre temps, j'ai rien pu faire. Je voulais la faire avec Dark Moon, mais il n'a pas pu. Donc c'est pas grave, on refera d'autres vidéos détente ou des Yes Weekend avec. On va commencer. Je vais vous montrer un peu les classes. Enfin, si ce n'est. Voilà. Alors, donc ça, c'est le. Je sais plus, ça doit être marqué. Le Pathfinder, enfin, je crois, il s'appelle. Ça c'est le boule, enfin ça c'est le bourrin, ça c'est le lance-flammeur, enfin je vais inventer des noms au fur et à mesure, le grenadier, le bourrin, 2, le mécanicien, le soigneur, le sniper, normalement il n'y a pas un casque comme ça, mais le spy. Bon, ils ont tous pris des trucs comme ça, alors bon, je vais prendre le snipe. Je vais essayer de jouer avec un peu tout. Donc le snipe, c'est là où j'ai récupéré le plus d'armes, enfin dans toutes mes classes. Donc j'ai quelques snipes, si ce n'est tous, mais non, mais normalement il y en a beaucoup plus. Enfin tu peux acheter aussi sur. Donc on va y aller. Alors, je vais me remettre un peu dans le bain, hein. C'est le cas de le dire. Ah oui, il y a eu les mises à jour en Noël, alors du coup il y a des cadeaux, il y a des trucs. L'autre fois c'était un peu Halloween, alors du coup ils avaient des têtes sur la tête. Oui, des têtes sur la tête. Ils avaient des. Trucs sur la tête, enfin des citrouilles des fois. Alors on en est où là à peu près? Ils nous ont pris un point. Ah non non, on est rouge, on leur a pris un point. Bon, faut savoir que c'est pas un jeu très très réaliste, mais on va pas camper tout le temps comme ça, mais je sens que si je descends je vais me faire buter. Je descends pas. Allez, je descends. Oh, ça a l'air d'aller, là. Il est quoi, lui? T'es rouge, toi? Ouais. Je l'ai eu. Alerte! Le point de contrôle est envahi. Envahi par qui? On est en train de débuter. Ah, je l'ai eu. Bon, je suis pas très... Bon, d'ici, je suis pas très vif. Et je la vois qui est toute pétée. Je vais me la chauffer un peu. Lol. J'espère que ça vous casse pas les oreilles. Ça va, ça commence pas trop mal. Hormis toi, je sais pas quelle couleur t'es. Parce que les spies peuvent se déguiser en fait en chacun des autres joueurs de notre équipe. Mort, toi. Mais tu meurs? Ah non, il est pas mort. J'avais cru pourtant lui avoir deux balles dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai gagné un truc. Donc voilà, bah c'est cool, ça arrive pas souvent. Alors ça, c'est pourquoi? C'est pour le soldier. Bah on va jouer avec. La vitesse de développement augmente, empêche d'être soigné quand utilisé. Ok. Et ben, on va faire encore un kill. Enfin, on va se faire tuer encore une fois au sniper. Avec ce sniper, on va montrer l'arc. Je vais montrer l'arc parce que c'est un des plus sympas. Même si il est un peu différent et moins précis. Mais bon, vous pouvez plus faire de l'assaut du coup. Ça prend juste un peu longtemps
de charger l'arc des fois. Alors, ok, bon, ça a l'air d'aller, si de façon. Ça va rien donner, mais on sait jamais, des fois, tirer des flèches au hasard, vous touchez quelqu'un. J'ai vu un mec, là. Ok. Ah oui, il y avait un snipe, lui. Je l'ai eu, je crois. Ouais, je l'ai eu. C'est marqué en haut avec un autre joueur. Des fois, quand vous tirez bien dans la tête et qu'il est proche d'un mur, il reste accroché, c'est marrant. Merde, il est contre moi celui-là. Je tire comme une brêle. Ok, d'accord. Bon, alors, on change de classe, on va prendre le soldier, et au passage, alors, okay, je sais plus la touche que j'ai mis, l'inventaire du soldier, on va mettre dedans. Bon, alors attendez, on va essayer de prendre la pioche au lieu de la pelle. Victoire. Ah bah, on a gagné. Donc quand on gagne, on a des petits trucs pour massacrer les joueurs, enfin des espèces de pouvoirs bizarres. Ok, donc on a une pioche maintenant pour aller massacrer. On essaiera de faire des kills au corps à corps. Ça peut être marrant. Hop. Bon, déjà on va faire du normal. Donc ça c'est juste du point de contrôle. Hein. Il y a possibilité d'acheter des nouvelles maps, des trucs comme ça, du contenu additionnel. Sur le workshop de Steam, hein, toujours Steam. C'est un jeu édité par Valve, je crois que vous l'avez vu au début de la vidéo, je suis pas sûr. Donc des fois, vous verrez des gens qui ont des armes un peu cheatées, c'est normal. Parce que soit ça fait un moment qu'ils jouent, soit ils ont acheté des... C'est un peu le bordel, je tire au hasard. Hein. Dans ta gueule. Oh, je l'ai eu en plus. Bon, eux, ils ont... c'est les gros soldiers, là. Pas les gros soldiers, là. Ta gueule, toi, là-bas. Oh bah quel con. Ah non, il m'a eu, ok. Parce que je me dis, j'ai tiré dans le poteau, j'ai fait buter. Alors, ouais, c'est bon, on a le point là, mais on n'a pas l'autre. Ok, bon bah, si tu veux. Hein. Ok, bon bah, on a déjà presque gagné, hein, il nous reste... 2 points, j'ai pas bien compris. Je sais pas si le son est très fort, normalement je l'ai baissé, hein, mais voilà. Donc aussi, si je vais un peu m'expliquer, si j'ai pas fait beaucoup de vidéos récemment, c'est parce que j'avais mon stage de 3e, vous devez connaître. Hein. Si vous connaissez pas, ben, informez-vous. Et ça m'a pris donc du coup toute la semaine. Et je n'ai pas pu faire grand-chose. Ah, aïe! C'est qui m'a touché? J'ai pas vu. Bon, on va aller chercher une caisse de soins. Caisse de soins. Là. Ouais, bon, un petit truc de soins. C'est pas grave, c'est toujours mieux que rien. Putain, ça c'était dans un trailer de Team Fortress, la trompette. Oups. Oh de Dieu. Lui, on va y avoir un corps à corps. Ah non, on va pas l'avoir un corps à corps. Putain, j'ai plus de vie. Bah, trop de temps pour m'en souvenir. Je vais au moins essayer de taper quelqu'un au corps à corps. Enfin, le mieux au corps à corps, c'est quand même le sprinter, là, le premier, celui-là. Ok, ils nous reprennent le point, ils sont en train de prendre le leur. Ouais, bon. Donc, c'est quand même assez spécial, parce que vraiment, chaque classe a son gameplay particulier. Hein. Ouais, le dire, c'est normal, mais bon, je trouve que c'est vraiment différent. Lui, c'est un... C'était un spy. Que vous avez vu qu'il peut se déguiser. Moi, j'ai pas tiré dessus, parce que je m'en suis pas rendu compte. Pour garder des voix à tous, enfin, tous les joueurs de votre équipe. Oh, je l'ai eu. Oh, c'est la violence. Ah, il y a une tourelle. Bon, c'est bon, je crois que je l'ai bousillé. Ouais, c'est bon. Ok.
supplémentaire. Alerte. Le point de contrôle. Ils ont dû la réparer. Bon, c'est pas grave. Oula, ils nous ont repris du point, c'est pas bon ça. Allez, tac. Bon, alors, suivant la classe que vous avez, il court plus ou moins vite. Autant dire que celui-là ne court pas du tout, hein, parce que il est assez lent. Bon, le plus lent, c'est quand même celui avec le minigun. Mais, voilà. Aïe. Un petit peu de dégâts de chute. Je vais pas aller loin avec mon truc. Oh merde. Oh, oui, si, c'est bon, je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Il y en a un là-bas, je l'ai eu. Je crois. Merde. Oh non, il m'a eu. Putain, c'est quoi cette arme? Vous avez vu le Pumpson 2000, là, je sais pas quoi. Eh, c'est abusé, ça. Et j'allais l'avoir. C'est un foiré. Bon. On va changer de classe, on va prendre celui-là. Donc, j'ai pas gagné beaucoup d'armes avec celui-là, voire pas du tout pour la première. J'ai un truc, donc l'ailier que j'ai pris. Et ça, j'ai le bastonneur bostonien. Je l'utilise pas parce qu'en fait, si on rate son coup, ça nous fait des dégâts à nous. Donc, c'est assez maléfique au lieu de bénéfique par rapport à nous. Ok. Voilà, je me suis fait bousiller. C'est le cas de dire, bon, on va faire quelques trucs, mais pas trop avec celui-là. Je vais essayer de vous montrer le maximum de classe. Et je trouve que les réapparitions sont des fois un peu longues, hein, quand même. Bon, lui, il court très vite, vous avez pu le voir, quand même. Il peut faire des doubles sauts. Donc, c'est assez pratique quand on veut pas avoir les dégâts de chute. Enfin, pour se déplacer. Bon, les dégâts tout on les a quand même, mais ce que je veux dire c'est que si vous débrouillez bien, vous pouvez faire un dernier saut à la fin comme dans les jeux. Ah ah, t'es pour moi toi. Je l'ai eu. Oh, lui aussi. Ah non, je l'ai pas eu. Merde. L'arme qu'il a, il est trop excellent le mec. Bon allez, on va prendre notre classe, on va prendre le pyromane, une classe que j'aime bien quand même. Soit vous faites beaucoup de kills, soit vous en faites pas du tout, ça dépend, il y a des parties, enfin, c'est un peu comme ça. Alors, en arme gagnée, j'ai que le détonateur en deuxième arme, donc au lieu du fusil à pompe. Bon, faut vraiment être au corps à corps pour que ça fasse un bon coup, mais... Excusez-moi, j'ai une nez un peu pris. Tout fait gaffe. Mais qui se met même pas à couvert. Ok, je l'ai pas eu. Donc lui, il a une belle hache. On manquera pas d'utiliser. Merde. Là, je sens de la merde, non? Ok. C'est louche. Ok, ok, ok. Fais pas le con. Alors moi, je peux... Donc là, il m'a soigné. Vous avez vu que ma barre de vie... complètement cheaté. Donc je peux aussi souffler les mecs. Donc voilà, il a eu lancé l'Uber Charge. En fait, c'est la capacité d'être invincible pendant quelques petites secondes. Donc c'est assez pratique. Voilà, je ne suis plus. J'étais entouré en rouge, vous avez pu le voir. Et là, donc j'ai ma vie à 260 donc sur 130, je crois. Et donc ça me permet d'être un peu full. S'il est toujours avec vous et qu'il vous soigne constamment. Putain, lui, il était invincible. Invisible. Mais quel enfoiré, toi. Rentre chez toi. Ok, c'est... Ah! Ok. Joli. Bon, vous voyez que j'ai fait quelques kills. Hein. Bon, c'est pas pour ça que je serai premier. Bien sûr. Donc, on va essayer de faire un coup de hache dans la gueule à quelqu'un. Parce que c'est assez marrant, ça. Allez. Dunis. Bon, c'est un jeu fun, hein, pas prise de tête en général, vu qu'il n'y a pas vraiment de score, c'est juste que vous, au bout d'un moment, si vous n'attrapez pas d'armes, vous ennuyez un peu. Mais en général, je crois que c'est au nombre de kills, mais je sais pas comment ça marche en fait. C'est vrai que je regarde. Ok. Là-bas, il y en a. On va essayer de sortir la hache.
Oh! Il était violent celui-là. Donc lui, il lance des seringues qui lui rapportent de la vie quand il nous touche. T'es où, sac à merde? Ah, il est là. Je l'avais vu se mettre invisible, en fait. Faut bien gérer son coup là-dessus. Ah non, t'es avec moi, ça. Ok. Ah, t'as peur, hein? Brûle en enfer. J'espère qu'il va mourir quand même. Oh merde, il avait plein de vis, lui. Bon, on en a eu un à la hache, on change. Alors, le grenade là, c'est celui dont je me sers le moins. Pour la simple et bonne raison que, bon, déjà j'aime pas trop. Il est pas très fort, hein, justement, au contraire. C'est, faut avoir du skill quand même pour jouer avec. En général, c'est pour déloger les snipers qu'on s'en sert le plus. Ou pour poser des mines, enfin des pièges. Avec notre autre arme qui est celle-là. Alors attendez, on va essayer de trouver du. Toi, j'ai pas bon. C'est moi ou je suis en train de revenir dans mon camp là? Oui, c'est ça, c'est complètement ça en fait. Et du coup, ils ont cru que j'étais un. Space! Hello! Ils vont manger là si je les ai. Tiens le soigneur. Merde, bon j'en ai eu en 15, c'est pas grave. Bon, je vais faire encore une fois, mais bon, c'est pas celui que j'apprécie le plus. J'ai pas vu ce qu'il avait. Ah oui, il a une bouteille en arme de cac, de coraca. Et donc je sais pas, pas très bien, mais. C'est vraiment la classe que j'aime le moins, alors on va utiliser un truc quand même. Alors c'est à la place de cette arme, vous avez le mirage machin éblouissant. En fait, ça vous permet en faisant clic droit de faire des charges. Donc un peu comme, enfin, moi ça me fait penser au Gould dans Skyrim. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, et on peut faire des grandes et rapides traînées. Merde, pas ça. Ah bah oui, mais du coup, il faut qu'il recharge l'autre. Et là, charge. Et là, je l'ai défoncé. Ouais, joli, joli, joli. Aïe, qu'est-ce qui se passe? T'es pas avec moi, toi. Il est où? Je le vois plus. Il y a un spy, vous allez voir, qui va me tuer. Oh, j'en ai eu un et j'ai raté l'autre. Dommage, dommage. Alors, on va se faire un peu du je ne sais plus comment il s'appelle. On va l'appeler le soldier qui est normalement celui qui lance des roquettes. Ah, et ben on a gagné encore. C'est bien, c'est bien. Alors, réorganisation musique. Ok. Bon, j'ai pas eu le temps du coup de vous montrer le bourrin, mais c'est pas grave. Ah, on est bleu cette fois. Alors là, j'ai gagné une arme. Mais bon, le Tomislav, je le trouve moins bien que le minigun. Donc je garde celui-là. Du coup, là, j'ai mis OK maintenant. Il y a tout contre moi. C'est génial. Donc vous avez vu qu'il a 300 de vie, mais il rame du cul hein, quand même. C'est assez impressionnant. Je sais pas ce qu'il a bouffé. Je veux même pas savoir en fait. Alors. Bon, en général, si vous êtes avec un soigneur, le bonhomme là que vous avez, vous pouvez rester longtemps à faire des kills. Bien. Ok. Là, il y a pas eu de. Merde, mais on l'a déjà pris celui-là, non? Ah non. Bon, bah, je me le prends en moi tout seul. Merde. Par contre, faut que je me réhabitue qu'il faut que je tire sur les rouges là parce que c'est pas encore ça. Seb, on a le point.
sont déjà en train de prendre l'autre, c'est génial. Voilà, c'est une proie facile, hein. Je suis une proie facile quand il y a un sniper en face. Dans ta gueule! Bon, il m'a eu quand même. Je lui ai mis une de ses pointes là dans sa gueule. Ouais, d'ailleurs, j'ai gagné un succès, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Mais c'était assez beau. Je lui ai mis un uppercut. Enfin, je crois, il me semble. Bon, ben, on est en train de gagner, c'est cool. On va faire encore, on va se faire tuer encore une fois. Et on, comme ça, il restera deux persos à vous montrer. Voire trois, si je dis pas de bêtises. Moi, je sais plus. Ah oui, il y a le mécanicien, le spy et le soigneur qui restent. Donc, ça fait trois. Ça fait trois. Donc, je pense que je vais faire le mécanicien dernier ou juste après. Parce que ça prend un peu de temps quand même. Monte ta tête. Il y a un rouge là-haut. En plus, je vais faire un headshot avec un lance, un minigun. Comment tu veux faire ça? C'est pas précis du tout. Coucou copain. Merde, il est plus avantagé. Merde, tu peux le temps de l'avoir, fais chier. Bon, c'était un peu stupide de ma part. Bon, on va faire maintenant. Donc c'est assez long, je vais vous montrer. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un peu un mécanicien. Et il lui permet de faire 4 machines différentes. Non, 3 je dirais. Donc je vais vous montrer ça. Oups. Donc, vous voyez qu'il y a le truc, donc... hospitalité sudiste, hein. C'est un truc que j'ai gagné ça. Bon, ça après c'est les armes de base, et là vous avez le constructeur et le destructeur. Donc vous avez deviné lequel est le constructeur, l'autre est le destructeur. Couleurment parlant, c'est logique. Donc je vais vous montrer, quand vous faites ça, vous cliquez, vous avez 3 choix. En bas, vous avez, en bas à droite, vous avez 200, donc c'est mes métaux en quelque sorte. Et quand vous prenez des boîtes, ça vous donne des métaux, qui normalement vous donne des munitions. Donc là, on va construire une entrée de téléporteur. Alerte. Donc, point de contrôle attaqué. On peut la poser un peu n'importe où. Bon, ensuite, le temps qu'elle se construise, ça prend un peu de temps. Non, mais reste pas là, c'est... méchant. Donc là, j'ai un peu de métal, je vais pouvoir l'améliorer. Vous voyez que mon truc de métal descend, comme je me suis mis là. Heureusement, il y a des trucs à côté. Vous pouvez reprendre votre machine pour la déplacer. Donc là, il me faut encore 25 de boîtes, voilà, de métal. Et voilà, donc là, je l'ai amélioré niveau 2. Et on va encore l'améliorer. Et on pourra faire une sortie plus loin pour téléporter les joueurs directement sur le champ de bataille. Excusez-moi. Donc ce qui sera pratique, hein. J'avoue que moi, quand ils le font, je suis content. Faut faire gaffe quand même, il a pas beaucoup de vie le mécanicien. Ok, c'est bon. Bon, là il est au maximum. Alors on va essayer de construire une sortie, sauf que je n'ai plus de j'ai plus de métal. Voilà, c'est bon, je suis full. Donc vous voyez qu'il a posé un truc là. Alors où est-ce qu'on va la poser? Faut pas que ce soit trop visible. Visible. Bon, on va la monter à côté du truc sans se faire buter, ce serait pas mal. Téléporteur en construction. Ok, c'est bon, maintenant faut que je me protège.